l'espace est complètement ouvert. Complètement. Je te vois en cet instant tel que tu es, dans la vérité de qui tu es. Non pas en tant qu'Éric, une forme, mais en tant que conscience émergente, s'exprimant dans la forme Éric. Et si je le vois aussi bien et aussi facilement maintenant, c'est parce que tu te montres. Généralement, je dois aller voir derrière un mur pour voir ça. Mais là, il n'y a plus de mur. Le rideau s'est ouvert. Il y a une très belle carte du jeu d'Osho qui s'appelle La Conscience. Que la personne qui a dessiné ce jeu, qui a un talent fou et une extraordinaire inspiration, a dessiné ça vraiment comme... Bon, elle a fait un visage un peu humain, mais qui apparaît comme dans un voile qu'on vient d'ouvrir. Et c'est le visage de la conscience qui est en fait un non-visage. Et c'est ce que tu m'offres à voir là maintenant. Voilà. Namasté. Ne cherche plus. Jamais. Ne joue plus à te chercher. Sois ce que tu es. Tu trouves d'autres jeux. J'ai souvent dit, et là ça me paraît encore être tellement d'actualité, c'est que quand quelqu'un s'éveille à qui il est, il vient de réussir sa maternelle. Le vrai chemin spirituel commence maintenant. Tout ce qu'on a fait avant, c'était pour se préparer à la maternelle et enfin avoir notre diplôme de maternelle. Et on commence autre chose. C'est aussi toutes ces vies, elles ont été nombreuses. À tourner en rond, du chiffre 1 à 9, tu vois, et à 9, on ne trouve pas la voie de sortie, comme la mouche, et on recommence à 1, et on a fait ça des milliers de fois, des milliers de fois, des milliers de fois. Et là, après 9, tu as vu que si tu ajoutes un 0 à côté du 1, ça ne va jamais s'arrêter, c'est le chemin pour l'infini. Là où on tourne en boucle de 1 à 9 dans les incarnations, où on trouve le zéro et on commence à l'ajouter. Et après 1, on va arriver à 99, mais là on a compris. On va reprendre à 1 et on va lui mettre 2 zéros et 3 zéros. Et ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est en ce sens que j'ai dit... Le plus difficile, c'est de réussir sa maternelle. Quand on a ce diplôme dans nos mains, quand on a cette clé, après c'est parti. C'est parti pour commencer à être ce que tu es, à faire vraiment ce que tu es venu faire dans cette incarnation. Comme si tu as
finis de te tourner le dos et que là tu es en communion avec l'espace de toi qui est ton guide et ta source d'inspiration. C'est juste ça et c'est tout ça. Dans les apparences, rien n'a changé. De l'intérieur, tout est différent. Est-ce qu'il y a des allers-retours? C'est-à-dire, est-ce que on peut aller dans un espace de 9, 1, 0? Est-ce qu'il y a des événements ou des régressions qui font qu'on... C'est pas une régression, c'est simplement que ça prend un certain temps avant qu'il n'y ait plus d'identification. Alors ça ne régresse pas, tu restes là, mais la conscience s'identifie à des aspects de ton passé, des mémoires et tout. Alors pour un temps, la conscience, elle est toujours éveillée, mais elle ne le sait plus parce qu'elle se vit au travers de cette identification. Alors on se décolle et on dit « Ah, tiens, c'est revenu !» Et voilà. Alors ça prend quelques temps, ça fait des allers-retours et ça finit par se stabiliser. Donc ça demande une certaine vigilance, mais surtout un travail sur soi, parce qu'il y a des identifications que dès que tu le vois, toc, tu retrouves ton espace. Et d'autres qui sont vraiment plus insistants et que même parfois on a besoin d'être un peu aidé parce qu'on reste, collé dans le truc. Et oui, ça se...